Cela fait déjà 10 ans que l'association D'une Aventure œuvre pour les plus démunis à travers de nombreuses actions solidaires. Pour fêter ce bel anniversaire, les organisateurs ont rassemblé des centaines de convives au Zigzag autour d'une paella géante accompagnée d'un concert du groupe Baïa. Cette soirée pleine de souvenirs était l'occasion pour les bénévoles de se rappeler de cette belle décennie entièrement dédiée à l'aide aux enfants sur le continent africain. D'une aventure, au départ, c'est deux tortues que nous avons achetées à Nabel. C'est interdit, mais on les a quand même ramenées en France. Et c'était pour fêter mes 50 ans. Et depuis, j'ai trimballé les tortues et ensuite, quand on a créé l'association, on l'a appelé D'une aventure. Parce qu'au départ, on était des 4x4, on faisait du 4x4, et donc on était au milieu des dunes et on a fait pas mal d'aventures. Et donc on a joué les mots Dune et aventure pour continuer nos actions. Dune pour Isabelle qui est une dune et moi l'aventure. Comme ça, les deux, on a fait. Elle avait les tortues et moi j'ai pris le chameau. Comme ça, ce sont nos deux mascottes qui nous suivent partout. Il y a 10 ans, quand on a ouvert notre première classe au Sénégal, on a été reçu par le préfet et le préfet qui... Moi, j'étais heureux de les emmener voir notre première classe. C'était heureux, heureux. On s'est fait massacrer. Il ne faut pas faire comme ça, il faut donner de l'argent à nous, tout comme ça. On a été vraiment subjugués par l'histoire. Et d'après un an, on dit, on fait normalement, on fait les choses en règle. Et depuis, on a fait une école, deux écoles, 10 écoles, enfin 10 classes, et voilà. Mais au début, on était un peu embêtés. Mais maintenant, on sait faire. Voilà, on n'avait pas pris les bons chemins parce que là-bas aussi, ils ont des règles et il faut les suivre. Et effectivement, nous en sommes à 20 classes entre le Burkina et le Sénégal. Les 10 ans, on a organisé un repas parce que la première action d'une aventure, ça a été de faire une cantine au sein de l'école de Léona parce que les enfants arrivaient à l'école sans avoir mangé. Donc, nous, on a fait les murs, le toit. Les femmes, bénévolement, vont faire à manger aux enfants et les enfants, comme ça, mangent le midi tous ensemble. L'avenir de D'une aventure, on va continuer. Hein. On a tout ce monde derrière nous, il n'y a pas de raison, il va falloir se bouger quand même. Donc les projets, on continue, on est en train de faire les deux dernières classes de l'école de Santa Yala qui en comptera 12. On est en train de doubler les latrines parce que les enfants, plus ça va, plus il y en a. Au Burkina, on est en train de faire une salle sur une école, une classe où on en a déjà fait deux, donc on aura une école complète, pareil, avec des latrines. On est en train d'essayer de trouver des sous pour construire deux autres classes aussi au Burkina. Donc on a plein de projets, quoi. Hein. On a plein de projets, il n'y a pas de souci. De toute façon, ils sont demandeurs, mais c'est vrai que nous, chaque fois, on agit un petit peu, c'est des coups de foudre. Voilà, des coups de cœur et... Ils ont la chance, ils n'ont pas la chance, parce qu'il y en a tellement qui ont besoin qu'on ne peut pas être partout.